Plus personne n'ignore la disparition de Sarah Auberçon. Le portrait de la petite Valaisanne a été diffusé à plus de 150 000 exemplaires, en Suisse et à l'étranger. Si on en parle tellement, serait-ce parce qu'elle est un cas unique? Malheureusement pas. En 5 ans, 19 familles, en Suisse, ont vécu ce drame atroce. Voici les portraits de quelques-unes des victimes. Sur les 19 cas cités, 11 se sont terminés par la découverte d'un cadavre. Les disparitions d'enfants demeurent un phénomène tout à fait marginal, en Suisse comme dans les pays qui nous entourent. Mais c'est pourtant un fait de société qui préoccupe au plus haut point, parce que ces victimes-là sont par définition innocentes. C'est surtout, dit-on, sur le chemin de l'école ou de la maison que les enfants courent des risques. Les parents leur recommandent de ne pas se déplacer seuls. Précaution utile, mais l'enfant a pourtant aussi besoin de reconnaître son territoire et d'acquérir une autonomie. Car les enfants ne s'évanouissent pas dans la nature. Ils sont rarement victimes d'accidents camouflés, rarement enlevés. Et alors, c'est presque toujours contre rançon. On se souvient du cas de la fille de Frédéric Dard. Sur les 19 cas mentionnés, 2 enfants seulement ont été retrouvés vivants. Et les 6 derniers ont disparu sans laisser de traces. Sont-ils vivants? Puisqu'on en a retrouvé d'autres, se disent leurs parents, on retrouvera peut-être aussi notre enfant. Bien que les disparitions soient peu fréquentes, certains parents éprouvent de l'inquiétude. Ils accompagnent désormais souvent leurs enfants à l'école. Pendant ce temps, ceux qui vivent le drame de la disparition cherchent en vain une explication. L'enfant était là, il n'y est plus. Nous avons rendu visite à 4 familles parmi d'autres, frappées par le destin. Il y a un an, vous en souvenez-vous, ce n'était pas de Sarah que l'on parlait, mais de Sylvie. La police cantonale à Neuchâtel communique. A disparu depuis le jeudi 23 mai 1985 vers 19h30 à Beauvais, canton de Neuchâtel, une jeune handicapée. Beauvais Sylvie, 12 ans, taille 152 cm. Une nuit, j'ai rêvé que Sylvie disparaîtrait. Je voyais une voiture blanche avec un homme dedans. Je n'arrive pas à identifier l'homme que j'ai vu, j'entends c'était une ombre. Mais j'étais très angoissée par ce rêve. Et un dimanche, j'ai dû ramener Sylvie ici à la Rouvray parce que son papa était malade. Et je suis tombée sur la monitrice, l'éducatrice. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'elle surveille Sylvie parce qu'il allait lui arriver quelque chose. Je ne lui ai pas parlé que j'avais rêvé qu'on enlèverait Sylvie. Mais je lui ai dit que j'étais inquiète, qu'il fallait en tout cas pas qu'elle la laisse sans surveillance. Et elle m'a dit que Sylvie ne risquait rien ici, étant donné qu'ils étaient un peu perdus dans la nature, qu'il n'y aurait personne à suivre et que vraiment, il n'y avait aucun danger. Je n'ai pas insisté, je n'ai pas dit que j'avais fait un rêve, j'ai simplement dit qu'il fallait qu'elle s'occupe plus d'elle, vraiment, qu'elle fasse attention. Une constante, l'arbitraire du choix des victimes. Il suffit d'un dérèglement du mécanisme pour causer le drame. Ici, l'oubli d'une couverture. Nous remontions depuis l'endroit qui s'appelle Châtillon, ici en dessous. J'avais donc 2 enfants et nous étions avec le chien des intendants de la Rouvray. Et nous remontions, Sylvie jouait avec le chien, elle lui lançait des bâtons. L'autre enfant conversait avec moi. Arrivé à ce contour, l'autre enfant y avait déposé une couverture à peu près à cet endroit-là. Il l'avait donc jetée à l'allée. Et puis, je l'ai aidé à reprendre sa couverture qui était quelque peu coincée dans les broussailles. Sylvie a pris un peu d'avance. Nous sommes restés là environ, je dirais, 15 secondes à peu près, le temps de dégager la couverture et de repartir. Et puis, quand je suis arrivée au bâtiment qui est tout au fond, ici, Sylvie n'avait pas réintégré son groupe de vie. Vous êtes arrivé là-bas à peu près combien de temps après que vous ayez repris la couverture? C'est difficile à dire, mais je pense environ 3-4 minutes.
Et pendant ces 3 ou 4 minutes, Sylvie a disparu. Oui. Pour arriver au bâtiment de la Rouvrée, elle devait tourner à gauche. Et vous avez la route qui continue tout droit. J'ai tout de suite pensé qu'elle avait loupé le contour. Après avoir donc cherché dans les différents lieux de vie habituels, où elle n'y était pas, et j'ai aussitôt pris ma voiture et je suis montée. Ne l'ayant pas trouvée, nous avons commencé les recherches autour des différents bâtiments, dans tous les locaux. En général, tout se passe sans témoin dans une disparition. Le cas de Sylvie est particulier. 3 personnes l'ont vue dans la soirée, mais on ne l'a su que le lendemain. Nous avons retrouvé l'un de ses témoins. Là, j'ai eu une fille. C'était vers quelle heure? 7h30. Elle montait aussi, elle marchait tranquille. Et puis? Quand je l'ai croisée, j'avais de la peine à passer. Pourquoi? Parce qu'elle était au milieu, au bord, presque au bord, disons. Elle ne se rendait pas compte que vous vouliez passer? Elle me regardait drôlement. Puis j'ai quand même pu passer. Vous lui avez parlé? Non. Pas du tout. Et ça vous a pas travaillé un petit peu, cette rencontre? Non. Vous n'avez pas parlé en rentrant chez vous? Oh non. Et comment est-ce que vous avez su que vous avez peut-être vu Sylvie? Parce qu'ils sont venus, des gens sont venus le lendemain avec une photo. Là. Mais je l'avais vu. Aperçu, vu. Vous étiez sûr? Ah ouais. Sûr, sûr. Les parents de Sylvie sont séparés. Le soir de la disparition, le père est informé vers 9 heures. Comme tout le monde, il s'inquiète modérément. Pourtant, les premières heures sont décisives, mais on ne le sait qu'après. La mère apprend la disparition entre 11h et minuit. Rien de grave, lui dit-on encore à ce moment. Les journaux et la télévision sensibilisent très rapidement l'opinion publique, comme toujours dans ce genre d'affaires. On diffuse le portrait de Sylvie et des images des recherches. Après, il faut finir ici. Hein, là. Ça et ça. Hein. Les deux points de forêt. Ah oui, alors on part à pied maintenant. Okay. Là. Okay. Là, on a le temps de finir. Là. La partie sud. Mais allez maintenant où le radiesthésiste vient de dire, et puis vous finirez après là, ce qui n'a pas été on fait. On prend un truc. Quelques jours après la disparition, un dispositif impressionnant est mis en place pour tenter de résoudre un type d'affaire que le canton de Neuchâtel n'avait jamais connu auparavant. Une foule de civils, profitant du week-end de Pentecôte, seconde les spécialistes de la police et de l'armée. Mais tout reste vain. On garde des distances, on appuie légèrement. Inlassablement, les parents de disparus refont le parcours imaginaire de leur enfant. Ils voudraient tant découvrir, ne serait-ce qu'un indice. Est-ce qu'il vous arrive de revenir sur les lieux où Sylvie s'est perdue il y a quelques mois? Oui, il m'est arrivé encore de venir durant cet automne plusieurs fois. Mais depuis qu'il a neigé, j'ai cessé mes recherches, mes promenades. Moi, j'espère qu'elle est vivante, mais je ne sais pas quoi croire. Vu qu'on n'a pas d'indice, tout est possible. Quand vous espérez qu'elle est vivante, vous pensez qu'il lui est arrivé quoi, par exemple? Un enlèvement. Une personne l'aurait prise. Peut-être un couple, un mal d'affection, un manque d'enfants, et puis il l'aurait gardée. C'est aussi possible. Est-ce que Sylvie était très affectueuse? Oui, c'est un enfant très affectueux et qui demandait beaucoup d'amour. Il était très attachant. Et un enfant plein de vie. C'est ici, à Cressier, que vivait Sylvie depuis 5 ans.
Mais les bâtiments de cette institution pour enfants affectés de troubles du comportement devaient être rénovés. Pendant les travaux, l'institution s'était donc transportée à La Rouvray, le domaine où Sylvie s'est perdue. Sylvie souffrait d'absence et d'épilepsie, à la suite d'une transfusion maladroite rendue nécessaire à sa naissance par une jaunisse. Elle en était restée fortement handicapée. Donc c'est très difficile de dire comment Sylvie était, parce que précisément c'était une fillette relativement insaisissable. C'est-à-dire, je crois qu'elle déroutait beaucoup les gens qui l'approchaient par son comportement. D'aspect, justement, elle était tout à fait, je dirais, normale. Hein, c'est-à-dire, c'était une fillette, comme toutes les fillettes. Et peut-être c'était plus dans son dialogue qu'on pouvait remarquer que Sylvie avait quelques problèmes. Raphaël, t'es d'accord? Hein? Tu crois qu'il est d'accord? Je vais faire lui. Voilà. Mais c'est OK? Oui. C'est une histoire. Je ne sais pas ce que je lui fais. Bah, Raphaël, mon pied, c'est comme ça pas compliqué. C'est un album de photos que Claude Rousseau m'a fait quelques mois après la disparition de Sylvie. Vous entretenez encore de bonnes relations avec Claude Rousseau? De bonnes. C'est-à-dire que quand il faut, quoi. Vous les voyez quelquefois? Pas très souvent, non. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont bien accompagné l'aventure assez tragique qui était la vôtre? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait qu'ils auraient dû ou pu faire? Bien, disons, c'est au début de la disparition de Sylvie. On les a vus pendant les jours de recherche. Et puis après, on n'a plus rien entendu. Pas un téléphone, rien. Il a fallu que mon ami leur envoie une lettre pour qu'ils se manifestent. Et puis, l'éducatrice de Sylvie m'a téléphoné. Et puis elle est aussi venue me trouver. Mais, bon, disons, c'est au début qu'il aurait fallu ça. Après, le temps, il passe et puis les choses ne sont plus pareilles. Si on avait été plus entouré de la part de l'institution, on serait peut-être moins... Comment est-ce qu'il faut dire? Je pense qu'on serait... plus... un peu plus compréhensif, peut-être. Bon, disons, je peux pas dire qu'on n'y en voudrait pas, non? Parce que ce serait mentir. Vous leur en voulez? Oh, ben oui. Parce qu'avec deux enfants, et puis en perdre un de vue, ben, c'est quand même gros. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. C'est... au niveau de ma vie, j'espère que c'est un événement qui m'arrivera qu'une fois. Je crois que c'est quelque chose qui me touche très profondément et qui est quelque part inexplicable. Les parents ne peuvent pas manquer d'en vouloir un peu à l'institution et à vous en particulier, en se disant qu'il y a peut-être une négligence et, comme dit la mère de Sylvie, se promener avec deux enfants et en perdre un, c'est quand même un peu gros. Qu'est-ce que vous répliquez? J'ai rien à répliquer, j'ai rien à dire par rapport à ça, sinon qu'effectivement c'est un peu gros, mais ça s'est passé. Pour moi c'est quelque chose qui est incompréhensible, qui est du domaine, de l'incompréhensible. Qui fait partie de la vie, des choses qui s'expliquent pas dans la vie.
Sylvie était une fillette très attachante. Tout le monde y avait mis beaucoup de soi-même, avec des regards différents. Et la blessure pour l'institution est assez profonde. Pour vous, en tant que responsable pédagogique, est-ce qu'il y a un enseignement à tirer de ce qui s'est produit ? Bien, écoutez, je crois qu'on parlait des risques du métier, on parle du risque d'être père et d'être mère. Je crois que c'est à ce même titre que ce qui s'est passé pour Sylvie aurait pu se passer pour n'importe qui d'autre ailleurs. Et je crois que pour un instituteur, pour un éducateur, pour un père, pour une mère, la problématique, elle est la même. Et il suffit de baisser les yeux, comme ça s'est passé, pour se rendre compte que, voilà, c'est arrivé. Vous ne considérez pas qu'il y ait eu une faute professionnelle ou quelque chose de ce genre ? Je ne considère pas qu'il y ait eu une faute professionnelle. Il est arrivé quelque chose d'humain, de tragique, mais qui pouvait se passer pour bien d'autres personnes, bien d'autres situations. À cette table, une absente qu'on évoque rarement. Lionel, le frère de Sylvie, et sa mère se sentent simplement un peu plus seuls depuis qu'elle a disparu. Aussi bien pour Sylvie que pour tous les autres enfants qui disparaissent et puis qu'on ne retrouve jamais rien. Moi, je pense que c'est pas possible de disparaître comme ça sans laisser de traces. Et puis que si elle était morte, qu'on aurait retrouvé quelque chose dans cette forêt. Alors pour moi, elle est quelque part en vie. On espère. Parce que vivre comme ça, sans savoir, c'est dur. Parce qu'on se pose toujours des questions. Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle est morte? Si elle est en vie, est-ce qu'elle est vers quelqu'un qui est gentil avec? C'est dur, quoi. Je dirais même que c'est plus dur que la mort. Parce que la mort, bon, bien sûr, c'est dur, mais on sait que c'est prêt. Tandis que comme ça, on ne sait pas, on est dans le doute continuellement. Pour alléger une détresse indicible, le père de Sylvie, comme tant d'autres parents d'enfants disparus, a fait de ses recherches une obsession. Mais a-t-il vraiment une alternative ? La police cantonale à Sion communique. A disparu depuis le 28 septembre 1985 vers 17h30 du domicile familial à Saxon. La nommée Auberçon Sarah, 6 ans, écolière, taille 1 mètre environ, corpulence svelte, cheveux châtain clair mi-long, yeux verts, porte un chemisier bleu clair, une robe avec bretelles et tissu à carreaux gris-bleu. Sarah avait dit « Je vais chez grand-maman ». La maison est à deux pas du domicile de la famille Auberçon. Sa bicyclette a été retrouvée dans le préau de l'école à 50 mètres de la maison familiale et à proximité d'un carrefour. C'était un samedi comme un autre, mais ce soir-là, peu après 9 heures, le père a appelé la police. Sarah restait introuvable. Dès que la disparition est connue, tout le village se mobilise. On croit que Sarah s'est perdue ou a été accidentée sur le territoire communal. Elle n'a que 6 ans. La fugue est bien entendu exclue. Rapidement, des effectifs très importants de la police cantonale et de l'armée se joignent aux volontaires. Les recherches systématiques finissent par couvrir pas moins de 150 km². Au poste de commandement, le moindre élément d'enquête est examiné avec le concours des parents. Des parents épuisés qui, après 5 jours de recherche, font le point pour le journal télévisé. Vous pensez qu'on a tout fait au point de vue des recherches ? Oui, de ce côté-là, je suis vraiment
content de tout ce qui a été fait, disons, parce que j'ai assisté toujours au PC de recherche, j'étais là avec les gars qui organisaient le travail, j'ai vu que vraiment, alors ils ont fait le maximum. Le maximum, tout ce qui est terrain par là, c'était ratissé, tout ce qui est mort, ça a tout été fait. Dans ah, pour vous, c'est le moment de lancer un appel. Ah oui, parce que alors maintenant, on se rend à l'évidence que c'est plus une disparition, c'est pas possible. Quelqu'un l'a enlevé? Oui. Je pense à un enlèvement, oui. Et ça ne peut pas être autre chose, ce n'est pas possible. Madame, si vous aviez un mot à dire à quelqu'un qui a enlevé votre enfant, qu'est-ce que vous diriez? Bien, j'ai l'espoir qu'elle me la ramène vraiment vivante et puis le plus tôt possible. Que je lui pardonne tout, qu'elle me la ramène vraiment le plus tôt possible. C'est tout ce que je demande. Le reste, vraiment, j'oublie tout. Mais j'espère le plus tôt possible, ça vient trop long, moi je commence à craquer. Pourtant, je vis toujours d'espoir, mais c'est long maintenant. Et malgré tout, vous espérez? Oui, tout le temps, tout le temps. Pour ça, je garde l'espoir depuis le premier jour. Une chambre vide. Le silence dans l'escalier. Une fillette à laquelle on ne cesse de penser. La vie est suspendue, rien d'autre ne compte plus. Il faut bien pourtant conserver un foyer et des habitudes, tandis que l'esprit vagabonde douloureusement dans toutes les directions. À l'angoisse de Claude Auberçon s'associe durablement depuis le début, contrairement à ce qu'ont vécu les parents de Sylvie, des milliers de sympathisants qui continuent à téléphoner et à écrire. Soyez courageux, gardez la foi. Mm-hmm. Votre petite a peut-être été prise par un coup dans le désespoir de ne pas avoir d'enfant. Elle vous reviendra. Amitié et soutien. Ça, c'est un extrait religieux aussi qui concerne Bab, qui doit être un dieu peu connu à Saxon, je pense. Le matin, quand je vais à la boîte aux lettres, je lis ces messages, ça nous donne de la force, du courage. Tous ces gens qui pensent à nous, tout ça, ça aide énormément. Ces gens qu'on connaît pas, que la Suisse allemande, du Tessin. Je suis convaincu que Sarah a été enlevée par un Italien de Saxon, celui qui l'a blessée à la tête avec sa voiture. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une lettre, je pense que... Ou un radiesthésiste, ou un qui fabule un petit peu, je pense. C'est une dame de Lausanne, ouais. En fait, qui vous écrit. Mm-hmm. C'est très méchant. C'est « Monsieur allait au contrôle de l'habitant, la commune, relever les noms des Italiens habitants saxons, casseur leur habitude aux Italiens d'enlever les petites filles. Mm-hmm. » Qu'est-ce que vous pensez d'une lettre comme celle-là? Je l'ignore totalement. Je m'en souviens même plus. Les adeptes du pendule et de la boule de cristal ont été nombreux à prodiguer leurs conseils et à annoncer leur découverte aux parents et à la police valaisanne, par lettre ou par téléphone. Une quarantaine d'entre eux, chercheurs dignes de foi, mais aussi charlatans en mal de publicité, se sont même retrouvés à Saxon pour tester leur pouvoir sur une affaire qui tenait l'opinion en haleine depuis 2 mois et demi. Police et parents sont très déçus des résultats de la réunion organisée par M. Lambert. Parmi les questions qui étaient posées à vos collègues dans cette fameuse réunion du 15 décembre, il y avait quand même des questions précises. A-t-elle été enlevée par quelqu'un qu'elle connaissait, etc., etc. Est-ce que là-dessus, vous avez eu des réponses probantes? Alors, on a quand même un certain nombre de questions, de réponses, c'est-à-dire où il semblerait que la fille, le ravisseur, était connu de l'enfant ou de la famille. J'ai pris contact avec la police de sûreté. Et alors? Et malheureusement... ont refusé un entretien, elles ont même refusé le dossier que je voulais leur transmettre. Mais qu'est-ce que vous allez faire, puisque la police refuse de collaborer, alors? Alors, j'ai contacté des détectives privés, parce que je ne veux pas abandonner mon idée. Je sais qu'on peut aider des gens en difficulté par ces phénomènes parapsychologiques. Alors là, on va collaborer avec des détectives privés. J'ai déjà pris contact et on va carrément financer des détectives privés pour faire l'enquête que la police n'a pas voulu faire. Les radiesthésistes, je n'avais jamais tellement eu...
J'avais jamais tellement eu de contact avec ces gens, alors je m'accrochais un petit peu à ça. Oui. Mais après, je voyais que c'était plus possible parce qu'elle était ici, elle était là, elle était morte, elle était vivante. Alors j'ai dit, c'est pas possible, faut plus croire ça parce que pour nous, c'était pas bon. Il y avait des hauts, des bas et moralement, c'était pas bon. Caractéristique de l'affaire Sarah, une solidarité cantonale sans précédent, appuyée par les plus hautes autorités valaisannes. Grâce à elle, toutes les portes s'ouvrent quand il s'agit de solliciter un appui officiel et des sommes importantes sont récoltées pour financer les actions entreprises. Une fois par mois, un comité de magistrats et de notables se réunit pour relancer les campagnes d'affichettes à l'effigie de Sarah et pour susciter sans relâche l'intérêt renouvelé de la presse. Il faut à tout prix empêcher que Sarah soit oubliée. Donc il faudrait que nous ressortions d'autres éléments. Alors j'ai là plusieurs éléments, ce sont des originaux qui sont retouchés à partir de ce qui avait été donné et qui sont peut-être plus parlants. Par exemple, voilà l'original retouché de la photo qui a servi à l'affichette. Vous voyez qu'il y a une différence absolument assez extraordinaire du point de vue de la qualité du regard, parce que là, c'est une question de développement, d'agrandissement, c'est que c'est la même technique qu'employé l'illustré, d'ailleurs, qui a assez bien sorti. Il y en a une autre, là, qui donne... Enfin, on a maintenant ici une série de documents. Voilà, la dernière photo de Sarah. La dernière photo si de... vous deviez décrire votre petite fille à quelqu'un, comment en parleriez-vous? Bon, je peux en parler comme je la connaissais avant qu'elle parte. C'est ça le problème. Donc maintenant, la décrire. Avant, elle était gaie, elle était assez espiègle, elle était assez cajoleuse, et puis elle aimait bien faire des farces, un peu taquineuse en même temps, comme ça, assez affectueuse. Et maintenant, dans quel climat elle vit, et puis comment elle ressent tout ça, ça c'est un autre problème. Les médias ont largement exploité le filon Sarah, devenu une cause populaire par excellence. Là encore, contraste saisissant avec d'autres affaires, par exemple celle de Sylvie, vite classée. Le visage de Sarah fait la une des quotidiens et des hebdomadaires. Et son cas est exposé dans la célèbre émission des télévisions d'expression allemande XY. Sarah portait un ruban de satin rose dans ses cheveux. C'est à cette émission, captée aussi en Autriche, qu'on doit la floraison des douteuses pistes autrichiennes. La récompense élevée a-t-elle encouragé des affabulations ? En tout cas, le premier témoin persuadé d'avoir vu Sarah, une modeste concierge d'un quartier sud de Vienne, Madame Sophie Weiss, semble de bonne foi. Ein Auto kam hier und hat hier geparkt. Ja. Ja. Und hier ist eine Frau ausgestiegen und dann ist ein Kind ausgestiegen und ist auf mich zugelaufen, hat mich hier am Mantel gefasst und hat gesagt, parlez-vous français? Und ist dann zu mir hergesprungen, hat mich gehalten und ich hätte es soll mitnehmen. Und dann ist noch der Mann herausgestiegen und hat mit der Frau Englisch gesprochen. Und das Mädchen konnte nicht Deutsch. Es konnte kein Wort Deutsch sprechen. Und ich habe ganz entsetzt geschaut und die Dame hat mich gefragt, wo man hier gut essen kann. Und ich habe gesagt, hier in Bürgerbräustübel kann man gut essen. Und sie hat gesagt, thank you very much. Die Frau packt das Kind und sagt, wir haben das Kind adoptiert. Haben Sie Ihrem Mann darüber gesprochen? Ja, ich habe gesprochen. Ich habe gesagt, heute ist mir ein Kind zugelaufen. Ich hätte es können mitnehmen. Aber mein Mann hat gesagt, warum bist du nicht auf Polizei hier am Südbahnhof? Ist ja nicht weit gesprungen. Und ich habe nur geschaut, war nur ein weißer Mercedes. Und mit CH-Kennzeichen, Züricher Kennzeichen. Denke ich mir, oh, das ist aber komisch. Und ich sehe es dann im Fernsehen, bei Aktenzeichen Y. Das war fünf Tage später. War fünf Tage später.
das ist dieses Kind. Und mein lieber Gott, sage ich, das ist dieses Kind. Und habe ihn angerufen. Und Sie sind ganz sicher, das war das ja, Kind? Ja, da bin ich ganz sicher. Da bin ich ganz sicher. Sur la base du témoignage de Madame Weiss, un portrait robot de la mystérieuse étrangère est confectionné par la police. Plusieurs personnes croient avoir croisé la jeune femme et sa proie. C'est ainsi que surgissent, après une nouvelle diffusion de l'émission XY en janvier 86, d'autres pistes autrichiennes. Dans un restaurant d'Eisenstadt, à 50 km de Vienne, Madame Szabo, une émigrée hongroise accompagnée de sa fille Jeannette, pense elle aussi avoir vu Sarah. Ein Ehepaar habe ich angenommen mit ein kleines Mädchen und meine Tochter hat zu mir gesagt, ich möchte mit dieses Mädchen spielen, ob ich gehen darf. Sag ich, nein, bleib sitzen. Sie ist dann aufgestanden und es ist sie hingegangen und sie hat noch kaum etwas gesagt. Die Frau ist aufgesprungen und hat die Mädchen beim Oberarm gepackt und hat von weggezogen. Ja, und du, Jeannette? Was hat das Mädchen dir gesagt? Oberson. Oberson? Ja. Bist du sicher, dass sie das gesagt hat? Ja. Und etwas anderes? Nein. Sie sind da hinausgegangen und im Auto da vorne ist ein weißer Mercedes gestanden und dort hineingestiegen. Haben Sie ein Kennzeichen gesehen? Ja, ich habe ja nur eine Schweizer Nummer gesehen, aber... Ich kann mich nicht mehr erinnern auf die Nummer. Wenn das passierte, Sie hatten nie ein Bild von Sarah gesehen? Nein, leider nicht vorhin. Und wann haben Sie es erstens gesehen? Am Ende Jänner, bei XY-Sendung. Und wenn Sie es gesehen haben, waren Sie sicher, das war Sarah? Ja. Ich weniger, aber meine Tochter hat sie auf jedes Foto erkannt. Also es ist sicher, dass sie es war. On se pose la question une nouvelle fois. La petite Sarah Oberson est-elle en Autriche? Une Suissesse a vu le 20 février dernier en Autriche un couple avec une fillette qui semblait ne pas leur appartenir. Le témoin a regardé les photos de la petite Sarah, disparue depuis le 28 septembre dernier. Le témoin a aussi vu le portrait robot de l'inconnu. Il affirme qu'il y avait une forte ressemblance avec les personnes aperçues. Aucune des pistes autrichiennes n'a abouti. Le seul espoir concret depuis la disparition de Sarah s'est ainsi évanoui. Aujourd'hui, ça fait quand même un certain nombre de mois qui se sont passés. Est-ce que quelquefois, il vous arrive de perdre espoir? Non. Perdre espoir, non, je crois pas. Se décourager un petit peu, mais pas perdre espoir. Peu de découragement, non, d'espoir, on n'a pas perdu du reste. On doit pas. On peut pas, parce que, aussi, il faut quand même dire tout ce monde qui nous aide, tout le... déjà les courriers qu'on reçoit tous les jours, on reçoit des courriers, des lettres, des sympathies, n'importe. On ne peut pas non plus flancher pour eux. Et pendant qu'on fait des recherches, moi je dis pendant qu'on n'a rien retrouvé, il y a toujours l'espoir, c'est pas vrai. Je veux savoir la vérité, je veux savoir. On veut savoir comment ça s'est passé, et puis on saura, ça je suis sûr. Vous êtes persuadé qu'on trouvera? Oui, oui, oui. Il y a ceux qui espèrent malgré tout. Il y a ceux qui espèrent parce qu'ils refusent l'inacceptable. C'est l'histoire de Pascal, disparu à 15 ans et demi sur une plage près de Bordeaux le 22 août 1983. Les parents de Pascal veulent le retrouver. Leur détermination a le caractère farouche d'une conviction inébranlable et d'une véritable fixation. À leurs yeux, des coïncidences se transforment en preuves et les indices les plus ténus en certitudes. C'est ici, à la porte d'un camping de Lacano, qu'ils ont raccompagné Pascal la veille de sa disparition. Je n'avais pas vu d'inconvénient à ce qu'ils partent camper quelques jours à Lacano parce que je ne pensais pas que c'était un coin aussi malfamé que ça. Parce que autrement, je n'aurais pas laissé venir, c'est certain.
Malfamé, vous dites? Mais disons, je veux dire par là que il y a beaucoup de disparitions et d'enlèvements qui se produisent à la saison estivale dans la région. S'il y a bien eu quelques crimes sexuels dans la région, l'enlèvement de Pascal n'a pour l'instant pas été prouvé. Mais monsieur et madame Dumont refusent les explications officielles. Ils pratiquent le doute systématique pour mieux adhérer à leur version, qui leur permet de continuer à lutter. Ils sont venus tous les trois, c'est-à-dire Pascal et les deux camarades, dans cet endroit-là. Pascal ne les a pas suivis dans l'eau, étant donné que lui n'aimait pas l'eau, ne savait pas nager et ne s'aventurait pas. Les deux gamins qui étaient avec lui, Christophe et Laurent, se sont aventurés pour se baigner, bien sûr. Et c'est quand ils sont revenus qu'ils se sont aperçus que Pascal avait disparu de la plage. Les vêtements de Pascal sont retrouvés sur la plage. Aurait-il quitté la plage en les abandonnant? Et pour quelle destination? Ou bien s'est-il noyé sans que personne le remarque? C'est pourtant une plage bien surveillée et très fréquentée. 4 jours après, on nous téléphone en nous disant qu'on avait retrouvé un corps qui avait été rejeté par l'océan et qu'il fallait venir sur place, bien sûr, pour identifier ce corps. C'était où? Alors, c'était au Porge, à environ 15 km de la Cano. Le gendarme avait déjà préparé son rapport et il tenait absolument à ce que j'appose ma signature, mais je dis peut-être qu'avant de mettre ma signature, je tiendrai peut-être quand même à voir le corps. Alors, nous sommes partis avec le gendarme, le garde champêtre, ma femme et moi-même, nous sommes partis pour la reconnaissance du corps à la morgue de la mairie. Alors là, le garde champêtre m'a ouvert un sac. Et quelle stupéfaction, j'aurais fait la réflexion suivante, vous n'avez que celui-ci à me présenter. Il me dit, pourquoi, vous en faut combien? Je dis, m'en faut un, je dis, à condition que ce soit le bon. Et on m'a montré un corps en état de décomposition très avancé, qui ne pouvait pas être celui de mon fils. Mais on me dit, mais monsieur, vous avez bien fait un avis de recherche. Mais je dis, bien sûr, ça peut être que le vôtre. Alors, je dis, non. Alors quand on a vu que j'insistais de ne pas vouloir reconnaître le corps, ces messieurs ont fait venir l'Institut médico-légal de Bordeaux et on a emporté le corps. Et là, je ne l'ai plus revu. Mais madame Dumont, quand on est maman, on a des relations très particulières avec son enfant. Qu'est-ce qui vous aurait permis de le reconnaître? Écoutez, je pense que j'aurais pu le reconnaître si ça avait été lui, automatiquement. Et lorsque j'ai vu ce corps, j'ai crié d'ailleurs au gendarme. Je suis formelle, ce n'est pas mon fils. Quand on m'a reconvoqué au poste saisonnier de gendarmerie du Porche, le gendarme me dit, voilà, c'est que l'Institut médico-légal dit que c'est votre fils. Moi, j'ai dit au gendarme, j'ai dit non, c'est pas le mien. Alors, ça durait un petit moment, tout ça. Et puis, bon, si bien que moi, dans l'état où je me trouvais, et les pressions morales que le gendarme me faisait pour me faire reconnaître, j'ai opposé ma signature, chose que je n'aurais jamais dû faire. Je reconnais que j'ai commis une erreur, mais qui sait qui ne commet pas d'erreur? Mais c'est une erreur capitale. Mais je sais que c'est une erreur capitale, mais malheureusement, vous savez, on ne sait pas dans ces moments-là comment ce que l'on doit faire, voyez-vous, parce que le gendarme me dit, c'est votre fils, l'autopsie, elle est formelle. Le 31 août 1983, enterrement du corps présumé de Pascal. À quel moment ont commencé les doutes sérieux? Pratiquement depuis le début. Hein. Nous avons quand même eu des disparitions qui ont été semblables sur la plage, de Carcan, Maubuisson, et puis à Biscarrosse, où les jeunes ont disparu en maillot de bain dans les mêmes circonstances qu'a disparu mon fils. Et là, ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est-à-dire, vous avez fait quelles hypothèses? J'ai fait l'hypothèse qu'il y avait un réseau de prostitution qui enlevait les jeunes en maillot de bain pour faire une signature comme quoi ils s'étaient bien noyés, que ce n'était pas la peine de le rechercher. Et vous croyez qu'on peut emmener un jeune contre son gré? Qu'on l'ait amené de force, c'est pas évident. Mais qu'il ait suivi quelqu'un, ça c'est certain. Et après, bon, on l'a conditionné par les lavages de cerveau, par la drogue, par un tas de trucs, où il ne s'est plus rappelé qu'il avait de la famille. Non-lieu, affaire classée, décrète la justice, après enquête dans les milieux de la prostitution et nouvelle autopsie du cadavre. Pour la justice, c'est bien Pascal qui repose dans le caveau familial. À l'époque de la disparition de Pascal, est-ce que vous aviez remarqué des changements particuliers dans son caractère? Oui, Pascal était devenu très pensif ces derniers mois.
qui ont précédé sa disparition. Et beaucoup plus pensif même qu'il l'était auparavant, bien que c'était un enfant qui ne s'extériorisait très peu. Mais on sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qui n'était vraiment pas bien dans sa peau, si l'on peut dire. Et moi, je présume que cela remonte au mois de mai, juin, au moment où il a eu ses mauvaises fréquentations, probablement. Il fréquentait un bar en particulier. Je crois que votre mari l'y conduisait même, quelquefois. Ce n'était pas un bar. C'était une boîte. Une boîte dans laquelle il allait danser. Et c'était une boîte qui était située sur les quais à Bordeaux et dont on n'en connaissait pas la fréquentation, enfin la renommée odieuse, tout au moins. Et mon mari l'y conduisait, c'est exact, pas fréquemment, mais enfin il lui conduisait de temps en temps, le samedi soir. Et avec son camarade Christophe, lequel d'ailleurs était avec lui au camping. Nous ne savions pas que c'était des boîtes pièges, en quelque sorte. Madame Dumont écrit sans se lasser aux autorités, engage des détectives et procède elle-même à des enquêtes dans le milieu homosexuel à Bordeaux et à Paris. Démarche pleinement légitimée aux yeux des parents de Pascal par un étrange coup de téléphone, le 15 mars 1985, un an et demi après la disparition. Les doutes que l'on avait se sont concrétisés par la certitude que mon fils Pascal était bien vivant, étant donné que c'était un appel de détresse que j'ai eu au bout du fil. Quand j'ai décroché le téléphone, j'ai dit allô. On me dit, allô, c'est toi, papa. J'ai dit, c'est toi, Pascal. Oui, Pascal, c'est moi, papa. Alors, dis-moi vite où tu es, mon petit Pascal. Alors là, il s'est mis à pleurer, la communication a coupé. Et vous êtes formel. Ah, moi, je suis formel, monsieur, je suis formel que c'est bien mon fils que j'ai au bout du fil, j'ai reconnu sa voix. J'avais de très, très bons contacts avec Pascal. Vous partagiez des choses ensemble? Oui, beaucoup, beaucoup. Puis il savait quand même que j'étais, très moderne. J'aimais beaucoup la musique moderne et ça lui plaisait. On écoutait très souvent au salon ensemble, des Bonnie M, des Supertramp, etc., etc. Des groupes anglais, beaucoup. Et à chaque fois que je désirais, ou qu'il savait tout au moins que j'aimais tel ou tel disque, il le passait pour moi. Monsieur et Madame Dumont allaient souvent se recueillir sur le caveau spécialement construit pour leur fils. Ils n'y vont plus. Pascal n'y est pas, disent-ils, et ils sont sûrs de le retrouver. J'ai toujours senti quelque chose en moi qui me disait « Il faut que tu luttes, il faut que tu combattes, parce que vraiment ce n'est pas ton fils qui est là ». Je l'ai toujours dit au départ, c'est vrai.
Et je pense que c'est cette détermination qui est en moi et qui continuera jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle s'il le faut. Pascal aurait aujourd'hui 18 ans. S'il est vivant, il est majeur, selon la loi française. Et si l'adolescent tourmenté par la puberté est devenu ce que ses parents imaginent, le reverront-ils jamais? L'hypothèse qu'ils ont minutieusement forgée a au moins valeur de consolation. Croire que son enfant a mal tourné, c'est, en dépit de toutes les affirmations officielles, expliquer son absence, sans le perdre tout à fait. Il porte le numéro 7 dans son équipe. Lui, il a réellement été victime d'un enlèvement pour des motifs sexuels. Enlèvement qui a d'ailleurs failli se terminer par son élimination physique. C'était le 12 octobre 1984. Vincent avait 11 ans. Deux jeunes gens désœuvrés qui ne le connaissent pas en font, tout à fait par hasard, leur victime. Cette action s'est déroulée très rapidement et n'a duré que quelques secondes. Les ravisseurs se sont ensuite enfuis jusqu'à Ettisville, district de Villisaure, dans le canton de Lucerne, où ils ont loué un appartement dans un immeuble de 3 logements. C'est à cet endroit que l'enfant enlevé a pratiquement séjourné durant tout le laps de temps de sa disparition. Il a été nourri, il a pu regarder la télévision et lire les journaux. À plusieurs reprises, il a été menacé de mort s'il ne se tenait pas tranquille. Aujourd'hui, un an et demi après les événements, Vincent parle, sans traumatisme apparent, de cette triste expérience. Je me suis dit, ça ne sert à rien que je me sauve. De toute façon, ils courent plus vite que moi, ils ont des plus gros bras que moi. Alors, si je reste calme, peut-être qu'ils veulent me relâcher un jour, j'avais toujours un petit espoir. Tu savais qu'on te cherchait partout à ce moment-là? Ouais, je savais, parce qu'ils montraient les journaux, puis ils me disaient, ouais, voilà, c'est ta famille, ben, tu ne retrouveras plus ta famille. Alors ça me faisait, j'avais vraiment peur, quoi, puis j'étais triste, quoi. Tu étais triste, tu disais, c'est fini, quoi. Ouais, à ce moment-là, j'espérais plus beaucoup, quoi. Mais tu pensais quoi? Tu pensais pas que tu allais mourir quand même? Non, je pensais que ce que j'essayais de penser, c'est que peut-être, juste un petit peu, que j'ai des chances de retrouver mes parents. C'était la seule possibilité de me passer le temps, quoi. Et puis un jour, ils t'ont emmené dans une carrière. Ouais, là, un soir, je sais plus quelle heure c'était, ils m'ont dit, ouais, ben, on va t'emmener dans une carrière, quoi, où il y avait beaucoup de pierres. Puis ils m'ont dit, ouais, ben, on veut aller là, puis on veut te tuer, quoi. Et puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Et ben, effectivement, ils m'ont amené, et puis ils m'ont mis contre un tas, et puis un tas de pierres, quoi. Et puis ils ont reculé, et puis un m'éclairait, puis l'autre essayait de me viser. Heureusement, il m'a loupé, quoi. Mais ils tiraient? Ah ben, en tout cas, j'ai pas vu la balle passer, quoi, mais... Il y avait des coups de revolver. Ouais, c'était un fusil, là. C'était un fusil. Le fusil militaire, quoi. Et puis, j'ai vu la flamme, quoi, le pan, quoi. Et puis, sinon, je n'ai rien senti d'autre, quoi. J'ai eu un peur, et puis c'était tout, quoi. Pour les parents, la peur de ne plus jamais revoir leur fils vivant a duré 12 jours. 12 jours insoutenables. 12 jours seulement, est-on tenté de dire, quand on songe aux longs mois d'incertitude que traversent les parents de Sylvie ou de Sarah, aux années qui n'en finissent plus pour ceux de Pascal. Mais le miracle se produit, Vincent est retrouvé au Tessin. À Goliot, les auteurs ont oublié d'éteindre les phares de leur Maserati
Et c'est pour ces raisons que la batterie du véhicule s'est déchargée et ils ont le lendemain matin dû avoir recours à un garagiste pour dépanner. À cette occasion, Vincent Scheidegger a réussi à contacter une personne pour lui dire qu'il était le garçon recherché à Bienne. La police tessinoise immédiatement alertée a ensuite pu appréhender les ravisseurs. Le jour même, le quartier de La Tielle accueille avec un enthousiasme indescriptible le héros que son père est allé chercher au Tessin. On pourrait croire que tout va redevenir comme avant, et pourtant non. Est-ce que cet enlèvement va changer quelque chose dans la vie de la famille Scheidegger? Au départ, j'espère pas, au fin fond de moi-même, je n'espère pas. Je parle du principe qu'on a essayé, disons, d'avoir une famille, disons, un modèle, mais disons une famille qui se tienne ensemble, qui tient ensemble. Et puis j'espère, dans la mesure de nos capacités, pouvoir continuer sur cette voie que j'estime juste jusqu'à maintenant, malgré ce qui s'est passé. Et puis je vais tout faire pour pouvoir continuer notre famille comme elle était jusqu'à maintenant. Puis ça, j'y tiens. Vous avez l'impression que ça pourrait être difficile? Ce sera très dur. Je pense que ce sera très dur. Il y a des cicatrices qui resteront toute notre vie, plus ou moins grandes. Il faut espérer que le plus vite possible, on puisse prendre la grande gomme et les effacer. Mais jusqu'où on pourra les effacer, ça, l'avenir nous le dira. Notre vie a changé de toute façon. La connivence entre les frères s'est rétablie. Chacun s'absorbe dans ses activités quotidiennes. Mais dans le cœur des adultes, qui s'étaient pourtant préparés à l'irréparable, la cassure ne se ressoude plus, malgré le retour de Vincent. L'insouciance d'avant n'est plus qu'un souvenir fragile. Pour moi, ce qui a changé le plus, c'est, disons, qu'on ne pourra plus vivre comme avant. Chaque fois qu'un enfant part, ou bien qu'un membre de la famille s'absente pour une raison ou pour une autre, on supporte les cinq minutes de retard sont insupportables. Donc, c'est l'angoisse chaque fois qu'une personne manque dans la famille. Est-ce que vous avez pris des mesures particulières en ce qui concerne le déplacement des enfants? Alors, jusqu'à maintenant, aucune mesure particulière n'a été prise. Donc, moi, j'estime que les enfants ont le droit de vivre normalement et non avec un garde-corps, si vous voulez. On peut reprendre le dessus, ça c'est clair, mais il faudra des années pour revivre vraiment bien. Moi, j'estime, comme je peux voir, je pense que tant que les gamins ne seront pas grands, qu'on sent qu'ils sont aptes de se gouverner eux-mêmes et de se défendre eux-mêmes, nous, les parents, on ne sera pas tranquilles. Donc ça, c'est pour une dizaine, 10-15 ans maintenant, on a ce poids d'être sur nous, ça c'est sûr. Pour la mère de Vincent, surtout, le sourire du retour est de courte durée. À un moment donné, après 2 semaines qu'il était revenu, tout à coup, j'avais plus envie de vivre. Je voulais vraiment me suicider. J'ai dit, je ne veux plus, j'avais plus la force. Et puis, les gens que je parlais me disaient, ouais, mais tu as les 3 enfants. Mais plus personne ne me comprenait. J'avais l'impression, vous savez, même mon mari ne me comprenait plus, que j'avais plus envie de vivre, que j'étais trop fatiguée. Quand Vincent est revenu, la joie de vivre paraissait retrouvée. Aujourd'hui, la famille vit dans un état d'innocence perdue, car des lettres de menaces et des coups de téléphone anonymes, comme on l'observe si souvent, hélas, lors des disparitions, troublent profondément l'équilibre d'une famille déjà durement éprouvée. Quelle noire satisfaction peuvent bien chercher ceux qui profitent de son malheur. Dire tout ce qu'on a souffert, ça, j'y pense, j'espère que ça nous aide. Mais de l'autre côté, il y a nouveau qu'on sait très bien qu'il peut nous avoir des menaces. Et puis ça, c'est très, très dur pour surmonter ces menaces, vous savez. Et puis là, oui, maintenant vous êtes là, je peux vous parler. Oui, ça m'aide à parler. Mais là, je serai seule, nouveau. On sera à nouveau seul. Hein. Et puis ça, c'est très difficile. Ces menaces à surmonter, ça. Vous pensez qu'on peut deux fois faire ce qu'on vous a fait? Une deuxième fois.
Oui, j'espère. Non, parce que je dis toujours, des fois quand je suis seule, je me dis, si ça m'arrive encore une fois, je ne fais plus avec. Je dis ça, alors vraiment, je ne fais plus. Hein. Non. Mais c'était un hasard, ça peut pas arriver oui. Deux fois. Oui, oui, j'espère. Vous savez, c'est... Moi, je trouve quand même... Quand il est revenu, il me semble que c'était... Oui, alors, c'est bon. Et puis, quelques heures après, il y a eu le premier appel. Quelqu'un qui était au téléphone et puis qui m'ont dit « On va tuer un de vos enfants encore. » Et puis ça s'est répété par téléphone, par écrit, vous savez. Alors, j'y crois plus. Je crois, je sais jamais jusqu'où ils vont. Ces menaces. Mais il ne s'est rien passé depuis ces menaces. Non, après j'ai demandé que je puisse parler à la police. Quelqu'un qui m'affirme, qui me dise « Non, c'est pas possible. Personne ne peut... » Personne ne peut me garantir que ça n'arrivera plus. Et puis je crois que c'est ça qui m'empêche de devenir nouveau comme j'étais avant. Vous comprenez? Le tribunal criminel de Lucerne a reconnu les deux anciens pensionnaires du foyer d'éducation de la montagne de Diesse coupables d'enlèvement, de séquestre, d'attentats à la pudeur répétés et de menaces de mort. Quand vous avez vu ces deux ravisseurs, quelle impression est-ce qu'ils vous ont fait? Je me suis forcé à les prendre pour, comme des êtres humains, puis c'est tout. J'ai essayé de ne pas penser. Oula, alors... Est-ce que vous leur en voulez beaucoup? On en voudrait aux gens pour moi. C'est difficile, mais je m'efforce à pas en vouloir. Qu'est-ce que je peux faire? Ça me sert à quoi? C'est quand même moi qui me range la santé, même si je leur en veux. Donc je m'efforce à me dire, bon ben voilà, maintenant là, j'ai pas eu de chance. Il m'est arrivé ce pépin, et puis je me dis, bon ben tu les oublies le plus vite possible, tu peux les oublier, ben c'est prêt. Ça me sert à rien d'avoir une haine à tout casser. C'est quand même moi qui en souffrirai d'autant plus, donc ça m'avance à rien. Tu penses à eux quelquefois, et comment tu penses à eux? Oh ben, ouais, je pense à eux, mais pratiquement jamais. Puis je me dis, ouais, ben c'est bien ça. Ça me fait plaisir, c'est bien fait pour eux, quoi. Puis c'est dommage qu'ils n'ont pas encore eu plus... C'est pas été plus sévère, quoi, mais... Ma foi, c'est déjà pas mal comme ça. Quand ils ressortiront, ben j'aurai aussi des gros bras, moi. Pour le moment, il va relativement bien. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Comment il sera dans quelques années, quand il passera l'âge de la puberté? Comment est-ce qu'il va réagir? Quand il aura des gros bras, c'est bien dit. Comment est-ce qu'il va réagir vis-à-vis des gens, disons, de ce milieu-là? Est-ce qu'il va tout casser? Est-ce qu'il va pouvoir oublier complètement? Ça, c'est un des grands points d'interrogation que j'ai encore actuellement. Dans les affaires de disparition d'enfants, les familles rescapées sont rares et elles n'en sortent pas indemnes. Si celles de Sylvie, de Sarah, de Pascal et bien d'autres à venir retrouvent un jour leurs disparus, elles auront appris, comme celle de Vincent, ce qu'on ne souhaite à personne. Comment traverser les flammes et continuer à vivre avec une inguérissable brûlure ?